Bonsoir tout le monde. Quand il s'agit de la première fois, je représente l'ambassadeur, vous disiez c'est 303, c'est ça, association. Rendez compte, c'est pas un mot, il m'a dit 303. Alors là, d'abord, vous dire, mes chers amis, mes chers collègues, mesdames et messieurs, c'est vrai que j'ai souhaité cette association, ça y est, je crois que ça prend forme et ça me fait très plaisir d'être là pour le lancement justement de cette amicale vivante qu'on peut voir. Je dirais, mais il faut être réaliste aussi, malheureusement, notre joie est un petit peu ternie par l'attentat qui s'est produit vendredi à Beyrouth et qui a coûté quand même la vie à 4 personnes et fait 126 blessés. Nous avons revu d'ailleurs sur les chaînes de télévision des images que nous aurions voulu ne jamais revoir dans la capitale libanaise. Dieu sait si ce pays nous l'aimant. Une rue dévastée, des immeubles en flammes, d'innocents victimes de folies meurtrières. Je souhaite vraiment, de tout cœur, que cet attentat ne soit pas le point de départ d'affrontements durables, que l'engrenage des représailles et des vengeances ne fasse pas à nouveau glisser ce merveilleux pays vers un avenir de souffrance et de douleur, ce qui remettrait en cause tant d'efforts pour la concorde et l'unité nationale libanaise. Et que la paix, l'entente et le respect entre tous reprennent rapidement le dessus sur l'effort de déstabilisation à l'œuvre dans la région. Ces tristes événements récents me rappellent que, pour ma part, cela fait des années, vraiment des années, que je noue personnellement des relations cordiales avec les Libanais. Je dois dire que nous avons une grande facilité à nous comprendre, que cela se passe avec beaucoup de simplicité et de naturel. Il est vrai qu'il existe des liens que je n'hésite pas à qualifier de familiaux entre les Libanais et les Français. Comme on en discutait il y a plusieurs jours avec François, président amical, les Libanais ont toujours eu un attachement très marqué à notre pays. Au Liban, la France est en effet appelée par la très belle expression survivante sur l'ambassadeur, notre douce mère. Comme vous le savez, cette proximité, ce lien qui nous rapproche et nous unisse, trouve leur origine, pardon, leurs origines, dans l'intervention que la France avait effectuée au nom de l'Europe pour mettre fin aux affrontements entre Russes et Maronites, et cela remonte à 1860. L'année suivante, la France avait obtenu la création de la province du Mont-Liban, dotée d'une certaine autonomie. Et c'est à partir de ce moment que l'influence culturelle française s'est épanouie et développée. Entre 1920 et 1943, année de la proclamation de son indépendance, le Liban a été placé par la Société des Nations, l'ancêtre devenu sous mandat français. Ce bref retour en arrière me permet de rappeler que cela fait plus de 150 ans que des relations uniques et privilégiées rapprochent nos deux pays et nos deux peuples. D'ailleurs, si l'on prend le temps de remonter cette fois, j'irai beaucoup plus loin dans l'histoire, on se dit qu'il n'est pas possible de ne pas aimer votre pays. La Bible ne décrit-elle pas le Liban comme la terre du lait et du miel ? N'est-ce pas au Liban que les archéologues ont découvert le village qui est considéré comme étant le plus vieux du monde, village qui s'appelait Biblos. Et puis, enfin, n'oublions pas que le Liban fut la mère patrie des Phéniciens, ce magnifique peuple de marins aventureux. Le lien entre nos deux pays se concrétise aussi à travers les nombreux Français d'origine libanaise dont le talent est reconnu ici. Je pense à André Chélide, éminente femme de lettres malheureusement décédée l'année dernière, mère du chanteur Chélide, ainsi que grand-mère de Mathieu Chélide, lui-même chanteur. Je pense aussi à Carlos Gunn, homme d'affaires et actuellement patron de Renault Nissan, mais aussi au chanteur Guy Béard, à l'ancien ministre Yves Besson ou encore à Amine Malouf, membre de l'Académie française. Bref, nombreux sont les hommes et les femmes dont le cœur est le bonheur partagé entre Beyrouth et Paris, dont la culture est nourrie de la double tradition de l'Orient et de l'Occident, dans les racines, et dont les racines plongent à la fois dans la terre du Liban et j'irai même aussi dans la terre de France. Je me réjouis très sincèrement de la naissance de l'ALC qui va permettre aux Libanais de Courbevoie d'exister dans une structure identifiable. Dans notre ville, les communautés d'origine et de confessions diverses et de nombreuses s'habillent ensemble dans un respect mutuel et d'harmonie. Je veille pour ma part à ce qu'il en soit ainsi.
Que Corova soit non pas un laboratoire, mais un exemple bien concret.